Mais madame, je n'ai aucun mérite. Vous êtes une auditrice si esquive, si intentionnée, que le moindre mot ne peut vous échapper. Non, madame, je vous assure. D'ailleurs, tout en vous m'inspire. Vous êtes le lac, vous êtes la muse, vous êtes la source où je puise toute ma créativité. Toi seul dans mon regard à la tombée du jour, et le soir qui s'estompe protège notre amour. Dans le bleu de tes yeux et ta chevelure, brille le fabuleux attrait de l'aventure. C'est joliment tourné, mais figurez-vous, mon ami, que je n'ai pas les yeux bleus. Ah bon? Dans le fond de tes yeux. Mais madame, vous m'avez pas compris. J'ai dit dans le fond de tes yeux et non pas dans le bleu de tes yeux. Oui, je ne suis pas dupe. J'imagine que vous adaptez votre couplet à chacune de vos conquêtes. Oh madame, mais vous me blessez là. Comment pouvez-vous penser, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'une autre femme puisse entrer dans ma vie? Mon cœur n'est pas un moulin ouvert en 80, non. Mon cœur est une prison et seule vous, Péjolière, en avez la clé. Mais non, mon ami. Mais madame, je vous en conjure, croyez-moi. Ne me prends pas ça pour moi, je vais vous pardonner en moi. C'est bien simple, je le vois d'ici. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi vous innocenterez mon client. Car s'il y a eu effectivement délit d'adultère en votre âme et conscience, répondez! Lequel d'entre vous aurait résisté devant un tel défenseur de charme et d'élégance? Il fut fort sur toi pour mon client de ton voix amoureux. Ce fut une insulte, un camouflé au bon goût à la beauté. Ce n'est donc pas la relaxe que je vous demande. Mais bel et bien votre bénédiction pour que mon client puisse retirer la courtisée, la plus belle désirable du monde. Et j'étais suffisamment convaincant. Oh merveilleux, vous étiez merveilleux. Ce plaidoyer m'a donné soif. Pensez-vous que... Oui, bien sûr. Promettez juste un peu d'avoir votre tenue. Thérèse ? Oui, madame. Pouvez-vous nous apporter quelques rafraîchissements ? Ah madame, je vois que vous commencez à connaître mes goûts. Oui. Mais vous me dites, cessez de me regarder avec ces yeux de merlan frit, voyons. Oui. Cigare de Cuba. Je dois reconnaître que votre béni de mari a parfois bon goût. Oh, ne soyez pas grossier, cela ne vous sied guère. De grâce, madame, pardonnez-moi. Seule la passion m'emporte. Merci, Thérèse, vous pouvez disposer. Vous en prendrez? En plein après-midi? Vous n'y pensez pas. Comme il vous plaira. J'admets que j'ai déjà succombé à quelques-uns de vos vices, mais s'il me fallait maintenant conjuguer l'alcoolisme à l'adultère, j'avoue que je perdrais toute estime à vos yeux. Délicieux. Thérèse, madame est là? Thérèse, vous m'entendez? Tout de suite, monsieur. Ciel! Mon mari! Qu'est-ce que vous dites? Mon mari, vous dis-je! S'il vous trouve là, nous a perdu! Fichtre! Voilà qui est bien ennuyeux. Bon, tenez! Entrez là! Mais madame, entrez là! Bonjour! J'arrive, je suis toujours qu'il le fait. Figurez-vous que ce matin, dans ma précipitation, j'ai oublié un dossier d'une importance capitale pour ma plaidoirie. Mais je suis fou, oui. Dieu merci. Le voilà. Mais que faites-vous planté là, devant cet armoire? C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Eh bien, cher ami,
Vous n'en finirez pas de m'étonner. Bon, c'est pas tout ça, je retourne au tribunal. Et vous fumez le cigare à présent? Oui, ça fait partie de mon programme de gymnastique corrective. Il faut inhaler le tabac sur l'inspiration et en expirant le faire ressortir en dilatant au maximum ses alvéoles pulmonaires. Américain, oui c'est ça. C'est une méthode américaine, vous ne connaissez pas? Et ça, les deux verres, hein, ça fait aussi partie du programme américain, je suppose. Mais bien sûr, mon ami. Oh, il suffit, c'en est trop. Vous me cachez quelque chose. Mais pas du tout. Quelque chose ou quelqu'un. Mais non, vous me prenez. Mais poussez-vous. Non. Mais poussez-vous, vous dis-je. Crime passionnel, sans préméditation. Alors, vous pensez bien qu'avec ma réputation, c'est la relaxe assurée. Au pire, quelques années avec sursis. Alors vous pensez bien que je vais me gêner. Fais ta prière, crapule. Je ne t'offre pas le cigare du condamné. Tu l'as déjà fumé. Ne commettez pas d'erreur, je vous en prie. Oh. Il est vrai qu'après ça, vous aurez du mal à le réparer. Allez, relève-toi. Allez, viens te battre, moi. Allez. Et courage de regarder ta mort en face, le diable. Elle n'a pas le courage de se relever. Non mais, regardez très cher quel poltron vous avez pris comme amant. Voilà, vraiment vous me décevez là. Je croyais plus de discernement. Et toi, gros lâche, tu as choisi la mort de l'autruche, la tête dans le sable, c'est ça? Eh bien soit. Un, deux, trois. Ah mais il n'y a cru. Un mort de peur qu'il était. Et vous aussi, très cher, vous verriez votre tête. Mais remettez-vous, sérieux. Vous pensiez que j'allais le tuer pour laver mon honneur. Désolé, je ne suis pas assez amoureux pour m'adonner à ce genre de lessive. Et puis, je ne vais pas compromettre ma carrière pour quelques galipettes lubriques. Non, vraiment. Allez, raccompagnez-moi ce paltoquet. D'autres affaires plus urgentes m'attendent, ne traînez pas. Levez-vous, mon vieux, débarrassez-moi le plancher. Relevez-vous, mon mari est parti. La procédure habituelle.
Et je ne vous cache pas que je trouve cette mort assez suspecte. C'est vrai que lorsque j'ai ouvert la porte du placard, il n'est pas tombé comme d'habitude. J'ai pas fait attention. Mais maintenant que vous me le faites remarquer. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais pas ça, comme ça, comme ça, tu raison. Tu vas pas faire pour hanter le public pendant des plombes. Alors tu fais ton annonce, allez, et on évacue. Non, non, mais je suis complètement oublié, je trouve ça bizarre la mort suspecte, de Julien. Alors, on touche à rien avant d'arriver la police. Mais enfin, à part que le CNR, que les formations. Voilà, pourquoi vous dites qu'ils énervent? Tu sais, ils ont voulu nous voir, alors, tant qu'à faire, autant qu'ils restent. Mesdames et messieurs, vous avez entendu le toupie, mais vous en savez autant que nous. Je vous propose d'attendre l'arrivée de la police en notre compagnie. Vous faites quelqu'un à la prévenue? On prend charge. Si vous obtenez une communication avec cet accessoire, moi je vous fais des prunes. Hein. Allez, viens avec moi en coulisses. D'accord. Je vais vous montrer mon portable. Yeah!
chérie. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que j'apprends, moi, du coup, Julia est mort. Épousez-vous! Ah non, et où voulez-vous que... Vous pouvez me cacher! Eh, ne tirez pas!
fouiller le premier rang. Allez-y. Ensemble, Sam. Simple vérification, ça va bien se passer. N'en profitez pas pour tripoter les gamines, hein. Mais je suis en clochet. Oui, mais vous prenez, mon petit Bernier, vous prenez, vous êtes votre zèle, vous prenez les gamines. Ah, venez à moi. S'il vous plaît, ne tirez pas. Je l'ai refait. Ne tirez pas. Je l'ai refait. Ça y est, chef, je l'ai. Vous avez vu, chef? On l'a vu, hein. C'est bon pour la tête, d'abord. Prends ça. Sur la tête. C'est bien, mon petit barbier. Sans votre respect, chef, c'est moi qui l'ai attrapé la première. Donc, vous le montrez dans la force, chef. Non, je n'ai rien fait. C'est pas trop libre, madame, votre chef. Barbier, tâchons d'aller vers la lumière. On y verra plus clair. Monsieur, j'aimerais comprendre le sens de votre attitude. Le chef ! Il voudrait comprendre. Monsieur, je vous écoute. Ben voilà, je suis vigile au supermarché d'à côté. C'est pour cette raison que je porte sur moi une arme de service. Il est armé, chef ! Il est armé ! Oui. Et, frappez-vous ? Oui, tac. Et de la délicatesse. Voilà. Là, dans ma poche. Allez pas vous blesser avec ça, hein? Non, chef. Bon, monsieur, vous allez m'expliquer pourquoi vous venez au théâtre avec votre arme de service, hein? Eh bien, justement, c'est parce que je suis en service. Normalement, à cette heure-ci, je devrais surveiller les parkings du supermarché. Mais ce soir, quand j'ai su qu'il y avait du théâtre, eh bien, j'ai craqué. Vous savez, le théâtre, c'est ma passion. Mais si vous... Si je savais que ça allait se dérouler comme ça... Vous penserez bien, je ne serais pas venu. Et pourquoi vous êtes en feu à notre arrivée? Barbier, monsieur a pris peur. Quand il nous a vu entreprendre une fouille systématique, il s'est bien douté que nous allions lui poser quelques questions par rapport à son revolver. Hein? Voilà. Et comme son patron. Comme son patron préférerait pas le savoir au théâtre, monsieur a préféré s'enfuir. Hélas pour lui! La célérité de l'inspecteur adjoint Barnier a contrarié ses plans. Oui, la célébrité de l'inspecteur adjoint Barnier. Ça sera bien dans la porte, ça, Lara. Hein? Oui. Écoutez, mon petit Barnier, si... Je pense pas que ça fasse grand-chose dans le rapport. Et pourquoi donc, chef? Mais parce que si vous comptez prendre de l'avancement à chaque interpellation aussi banale que celle-là, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, mon petit Barnier. Mais c'est pas une simple vérification, chef. On tient là un bas potentiel. Inspecteur adjoint Barnier. Oui, chef. Avez-vous touché l'arme de monsieur? Oui, chef. Était-elle chaude? Non, chef. Avez-vous senti l'arme de monsieur? Non, chef. Sentez, Barnier. Sentez. Ce revolver senti de la poudre? Non, chef. Cette arme est-elle munie d'un silencieux? Non, chef. Aidez-vous. Julien, parti! Ouais.
la propre. Bah oui, maman, j'avais dit touche à rien. Mais... Barnier. Mais j'aime pas. Écoutez, une ambulance a peut-être été transportée de la police. Mademoiselle va vous accompagner. Dès que vous avez les résultats de l'autopsie, vous m'appelez. Non? Oui, chef. Allez, vas-y. En douceur, en douceur. Sans vouloir vous commander, inspecteur, si j'étais vous, je ferais analyser ceci également. Ah oui. Ah, ça, c'est une idée. Allez, vas-y, vas-y. Mademoiselle va vous montrer ce chemin. Mais chérie, attendez-moi. Oui, je voudrais voir sa face. Hein. Je suis la médiuse de la troupe. Et ça pourrait m'aider pour un prochain mort. Ma conscience professionnelle. Eh ben, 30 ans, c'est bien, ma chérie. Venez, 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 venez,
Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lumière de nos palais brûlants, sur le corps de mes frères se faisant un passage et de son tout couvert exaltant le carnage. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants, dans la flamme étouffée par le fer expirant. Peins-toi dans ces horreurs, Andromaque éperdue. Voilà par quels exploits Pyrrhus vint se présenter à moi. Voilà par quels... Petite chose, ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est le métier qui rentre. Enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Thank you.
voir. Quant à vous, méfiez-vous. Je vous ai la même. Et j'ai un conseil. Que personne ne bouge. Car, et méfiez-vous des uns des autres, car j'en suis convaincue, le coupable est dans la salle. Méfiez-vous. De lui, là, surtout. Bon, petit bon, je constate que personne n'a cherché à quitter la salle. De toute façon, vous avez bien fait de rester à votre siège. Parce que figurez-vous que j'ai fait dresser mon barrage à 50 mètres d'ici. Alors, avis aux amateurs. Que personne ne bouge sans que je donne mon autorisation. C'est compris? Allez, pas de visite. Et oh! Dis donc! Vous buvez pas? Bah si, quoi, quand je peux me permettre.
On s'excuse, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. On s'en fait tout de même. Qui bouge.
Cynique avec ça. Bon, écoutez, l'inspecteur t'a demandé de patienter, alors autant pas attendre le plus agréablement possible. Ouais, mais moi je vois d'ici les gros titres des journaux, hein. 14e jour de détention. Les otages et tourelles ne sont toujours pas libérés, ma chère Alice. Oh, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Tu tranches de son côté à présent. Non, mais j'y crois pas. Ma propre femme qui me désavoue et qui joue le jeu de notre greluche. Ah mais ça, non, lui, c'est pas poli. Oh. On te demande de te calmer. Ouais, je me calmerai si je veux. Et j'ai pas l'air de recevoir de toi. Après cette soirée, de toute façon, on peut considérer que la saison est close. Alors viens, on fait des wellies et on s'en va. Oh, le contrat est annulé à partir du moment où des circonstances particulières interviennent à la Christian. Il n'y a pas de circonstances particulières. Ouais, c'est ça, par toi, je tiens, tiens. Je me rassure ce qu'on veut. Ouais. Arrête de crâner, bah. Même si tu trouves quelqu'un, de toute façon, on va au moins deux peines pour le kiwi qui appelle le rôle, alors. Ah, mais pas pour moi, quand même. Ouais, si c'est pas ce soir, pour les goûts, je veux les grandes chaînes de télé. Ouais. Comme vous le voyez, inspecteur, nous pleurions tous à bord de ce char Julien. Ah, ouais. Alors, inspecteur, vous avez des nouvelles? Et la première nouvelle concerne Porto. Il n'y a pas l'école du labo, était excellent. Je me suis permis de l'offrir à votre place et vous en remercie. Alors, le Porto n'était pas empoisonné? Mais comment est mort ce pauvre Julien? Il est mort empoisonné, chère madame. Et vous venez dire que. Pas non. À qui le porto n'était pas empoisonné? Oui, je l'ai dit. Ah, mais pour savoir! Oui, je l'ai dit. Le porto n'était pas empoisonné. Mais Julien, il était bien. Une dose de curare injectée au niveau des ménages, ça ne pardonne pas. Et très d'explication. J'aimerais tout de suite vérifier quelque chose. Il y a un trou à hauteur de la nuque de la cloison du fond. N'importe qui aurait pu se glisser dans la coulisse au moment où Julien est entré dans le placard. Mais c'est affreux, Julien, affreux. Affreux peut-être, ma chère Chloé. N'empêche que cette explication, elle mérite de nous disculper. Eh ben oui, chère Chloé, toi et moi, nous étions sur scène. Nous ne pouvions pas être en coulisse en même temps. Eh oui. Voilà deux innocents que la guillotine épargnera. Quant à Julien, je vais pas jouer les hypocrites. Hein. Tout le monde savait en quelle estime je le tenais, alors sa mort, elle ne m'a fait ni chaud ni froid. Bon, inspecteur, nous pouvons disposer parce que Chloé et moi, on a encore nos valises à préparer. Hein. Non, mais ne m'en faites pas maintenant. Non, mais d'autant qu'on a découvert que c'est un mystérieux assassinat. Non, mais vous imaginez le retentissement que ça va avoir dans les médias. Non, mais partez pas maintenant, ça peut être une tremblée formidable. Vous êtes peut-être aux portes de la gloire. Oh non, mais Chloé, essaie de le retenir, je compte sur toi. Oh, bon, en tout cas, si je devais réviser ma position, il faudrait renégocier le contrat avec des perspectives financières, ma chère Laetitia. Chloé, auriez-vous l'aimabilité de prévenir Lola que j'aimerais m'entretenir avec elle? Certainement. Con. Quel con? La pièce, non mais là, c'est à mourir, il est. Ah! Et Stéphane, était-il au courant?
Oui, mais vous, parce que vous pensez que ce serait lui qui aurait commandité la chose. Qu'est-ce que vous avez en machiavélique pour payer quelqu'un qui ferait la sale besogne à sa place? Quelqu'un qui passerait dans la coulisse avec l'histoire du trou, tout ça. Ça, c'est le gros barré. Ouais, là, c'est très étroit. Dans ce cas d'inconnu, ce serait un mec à bonheur repéré. Là, j'ai pas peur. Hein. Thank you.
dire qu'elle avait entendu une conversation juste avant le début de la représentation. Et soi-disant qu'il était question de chantage. Dégage ! Parlez. Mais c'est rien, c'est ce salaud de Julien qui voulait me faire chanter. Ah bon ? Et pour quelle raison ? Il avait appris quelque chose au sujet. Ah oui ? Et quoi donc ? J'ai passé 15 ans en prison avant de me faire embaucher dans ce théâtre. Ah oui ? Pour quel motif ? Tu es mon mari. Oh. Il me trompait. Alors, j'ai pas supporté quand je l'ai su et j'ai décidé de le supprimer. Voilà. Ah oui ? Ah, voilà. Et de quelle façon ? Je l'aime. Mon mec. Ouais. T'as entendu ? Non. Je l'ai ? Je l'ai ? Empoisonné. Ah, voyez-vous ça ? Oui, mais je sais. Chloé m'a dit que Julien aussi s'était fait empoisonner. Mais n'allez pas en tirer des conclusions hâtives. Je vous dis que je n'ai rien fait. Oh, non. Mais pourtant, vous aviez un excellent mobile si Julien vous faisait chanter. Mais je ne suis pas dingue. On voit bien, c'est pas vous qui avez passé 15 ans en tôle. Ah non, figurez-vous que je n'ai pas tous les jours apprécié ce genre d'hôtellerie. Et puis de toute façon, je m'étais dit que je n'y mettrais plus jamais les pieds. Alors je vais décider d'en parler aux autres. Parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas marcher dans la combine de Julien. Oui, chef. Ah, oui. D'autre part, le cadavre.
comportait-il des traces d'échymose ? Échymose. Non, chef. Mais n'empêche qu'il avait l'intention d'utiliser cette arme. Il n'a juste pas eu le temps. C'est tout. Oui, oui. Mademoiselle Lola. Oui. Ça ? Oui. S'il vous plaît, venez. Venez. Pourriez-vous, s'il vous plaît, démontrer à l'inspecteur adjoint de Barnier l'utilité de cet accessoire ? Ah, ben oui, bien sûr ! Après tout, il est tout naturel que vous ayez trouvé cet accessoire, car ceci s'appelle un brigadier. Et entre un flic et un brigadier, il y a un peu de différence. N'est-ce pas ? On ne vous apprend pas ça, à l'école de police ? Bon, non ! Le spectacle commence. Voilà, donc j'ai compris. Thank you.
à nouveau là. Vous allez chercher du champagne, vous faites ça. Ah, j'avais pourtant demandé que personne ne sorte. Non mais vous inquiétez pas, monsieur l'inspecteur, je vais vous dire. Yo, madame l'inspectrice, voilà. Bon, je connais mon Stéphane, hein. Il va revenir, vous inquiétez pas, je suis sûre qu'il vous ramène à votre santé. Bon, je cours défaire la valise. Comment ça? Et mes déductions ne t'intéressent plus. Je vais dire à tout à l'heure. Mais ça, je savais pas, hein. On était juste en train de voir l'emploi du temps de chacun d'entre nous avant le meurtre. Et donc rien. Non mais oh, Robert. Et oh, bon, c'est bon. Rien, y'a rien. Oh, c'est très simple. Hormis Chloé et Stéphane qui étaient sur scène, il reste Laetitia et Béatrice, ceux qui se baladent en coulisses. Non. Ah non, mais intéressant tes conclusions là! Mais il me semble quand même que tu oublies quelqu'un! Ah vous? Qui ça? Eh bien, toi pour commencer! Moi, depuis le temps, tu devrais savoir que pendant le premier acte, je suis en salle de maquillage. Ce soir aussi? Tu es en salle de maquillage? Oh, mais bien sûr! Non, ma chérie. Je voudrais pas te contredire, mais tu n'es pas resté tout ce temps dans la salle de maquillage. Qu'est-ce que tu racontes, Dominique? Je sais pas, ma chérie, tu te souviens pas, tu t'es absentée, peut-être, dans le nom. Dominique, mais je t'ai allée aux toilettes. D'ailleurs, Laetitia a dû me voir. Non, je t'ai pas vue. Ah, mais si, tu as dû me voir. Non, je te dis que t'es pas vue. Oh, mais si, tu as dû me voir. Et puis, si tu ne m'as pas vue, c'est que peut-être que tu n'étais pas à ton poste habituel. Demandez aux autres acteurs. Laetitia se tient toujours entre les toilettes et le côté court. Oh, non, mais si tu ne m'as pas vue ce soir, c'était peut-être que tu te baladais comme des armoires. Oh, regardez-moi cette petite dingue-là qui a forcé tout le monde pour se tenir la tête hors de l'eau. C'est pas moi qui ai l'habitude de manipuler les poissons. Que je vais dire par là. Oui, j'ai toujours su. Tu sais, t'aurais dû la faire théâtre, là, en prison. C'était un ami. T'as pas trouvé ça bizarre d'être embauché comme ça, si vite, sans expérience, ma pauvre fille? Mais justement, c'est d'autant plus facile d'assassiner quelqu'un quand on sait que c'est l'ex-polaire qui va se faire accuser. Salope! Oh, je t'ai appris à la politesse! Petite traînée! Assassine! Criminelle! Criminelle, moi! Oui! Oh, ça tue. Oh, non! Actuellement, ne pensez plus d'une façon cartésienne, mais plus
de façon émotionnelle, ma chérie. Vous verrez, ça va marcher. Alors, comment vous dites, je vais essayer votre méthode de plus émotionnelle. C'est cela, émotionnelle. Bon. Je suis gelée, tolérante. Chloé me pousse, me presse de rentrer dans le placard. Là, c'est des trois ici. Il n'y a guère de place. L'assassin ne l'a pas laissé la possibilité de se retourner, au propre comme au figuré. Non.
excusez-moi. Le malheureux Julien s'est lui-même donné la mort en rentrant dans le placard à reculons. Voilà. J'en reviens. Toute la habileté de Stéphane a été de se proposer lors de la reconstitution comme remplaçant de Julien. Mais lui, il n'y est pas entré à reculons comme Julien. Il est entré de face. Comme ceci. Et au prix d'une petite contorsion à vie, il a pu sortir le stylet et retomber. Chloé, vous avez bien fait de ne pas déposer vos empreintes sur le stylet. Je pense que le laboratoire pourra nous confirmer que c'est bien Stéphane le coupable. Bien joué. Oh, madame l'inspectrice, vous avez sous-estimé. Oui, mais c'est pas moi qui trouvais, c'est stagiaire, hein. Déjà, ça m'étonne moins de vous. Hein. Mais pourquoi, Stéphane, pourquoi? C'est toi qui me demande pourquoi? Pour toi, voyons. Pour moi, pour nous. Pour ne plus que ce fumier pose ses sales pattes sur toi. Pour ne plus qu'il me traite de cocu en coulisses. La blague est fine, là. Eh oui, pour une fois, Laetitia, j'ai écrit une scène que tu n'as pas dirigée. Hein. C'est dommage, oui. Sans l'intervention de Chloé et son histoire de stylet, on aurait pu continuer à travailler ensemble. Quel dommage. Hein. Allez, viens, Chloé. Partons. Non, Stéphane. Mais viens, je te dis. Rends-toi. Écoute, n'aggrave pas ton cas. Nous témoignerons tous en ta faveur. Tout va bien se passer. Et puis, pour un crime comme ça, tu en prends juste pour 15 ans. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? L'avocate d'abord. Attention, champagne, hein, c'est bien gentiment. Merci, ça s'est fait. Là, en l'air, je descends.
théâtre, c'est une pièce d'Yvon Taburet. Et cette pièce a été mise en scène par la compagnie Vert Paradis, représentée par notre ami Pierre Ekem. Vous pouvez, si vous avez apprécié, contribuer aux finances des tourelles. Il y a un chapeau qui va circuler. Je crois qu'il y en a un sur le bar et qu'on va circuler. Il y a deux ou trois chapeaux. Donc, à votre bon